Bonjour YouTube, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Dofus 1.29. Voilà, donc en fait, ce qui s'est passé c'est que j'ai joué en off, donc en hors stream, hors record, et il s'est passé pas mal de choses. Donc j'ai fini ma panoplie Boon, je sais pas si je l'avais terminé. J'ai fait le donjon, Incarnam, voilà. Et je suis descendu du coup à Astrub. À Bustard, Bust, Bust, à. Et en fait, voilà. Donc j'ai fait quelques quêtes et tout machin. Donc maintenant je suis niveau 11. J'ai une panoplie Boon absolument complète, magnifique. Maintenant il faut que je me dirige vers ma future panoplie qui sera. Je sais plus laquelle qui donne l'agilité, je me rappelle plus. On verra ça plus tard. Si, il faut que je fasse un truc, le machin, Bref. Donc j'ai lancé quelques quêtes. J'ai lancé quelques quêtes et du coup, voilà. Le problème c'est que là, la quête que j'ai lancée, pleurnicheuse, il faut que je rapporte des fleurs de lin. Mais le problème c'est que je ne peux pas ramasser des fleurs de lin parce que je ne suis pas alchimiste. Donc je me suis dit que j'allais faire le métier de paysan. Donc depuis ce matin là, je m'amuse à couper du blé. Et c'est vraiment hyper passionnant. Mais c'est de la merde. Donc on va pas faire ça aujourd'hui. On va pas couper du blé pendant 2 heures, ça va pas le faire du tout. On va pas faire ça, c'est de la daube. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher à Astrub des quêtes, des trucs à faire. Voilà, on va essayer de trouver un but à notre existence et à notre vie. Et voilà, tout simplement. Donc des quêtes faisables qui sont pas reloues. Très bien. Très bien. Et pour répondre à votre question, oui, je suis déjà allé voir dans les hôtels de vente pour savoir s'il y avait des fleurs de lin à acheter. Il n'y en a pas. Les mecs n'en vendent pas, ou alors ils les vendent par 100. Ce qui n'a aucun intérêt, donc ça pue. Donc voilà. Et oui, j'ai fait des demandes aux alchimistes, mais personne ne répond. Les mecs de ce serveur sont morts. J'ai pas, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a personne sur ce serveur. Je sais pas pourquoi, mais alors, franchement, j'ai l'impression qu'il y a personne qui parle. Il y a toujours le mec qui parle à méchant. Là, lui, il y a un mec qui fait de la pub, on s'en bat les couilles, donc on l'ignore. Voilà. C'est une. Voilà. Je crois que vers les mineurs, il y a des mecs qui font des quêtes sympas. Alors, je cherche la quête. Il y avait une quête qui était vachement cool. C'était la quête. Une quête où fallait tuer un bandit. Mais je pense que j'ai pas le niveau pour la faire encore. Mais là, là, il n'y a pas de quête du tout là. C'est pourquoi ces quêtes sont pas activées? C'est quoi ce bordel? Je sais pas comment tu fais pour aimer le gameplay SRAM sans ennuyer de ouf. Bah écoute, moi j'aime tout. Donc je joue tout en fait. Il n'y a pas de. Je suis pas raciste des races. Raciste des races, ouais, bien sûr. Bonjour, tu pourrais me passer du kama? Une autre fois peut-être. T'as pas un petit équipement pour moi? Même un truc de piou, c'est pas grave, sauf si c'est un bleu, parce que je n'aime pas le bleu. Le bleu c'est moche. Moi je veux du rouge ou du rose ou du violet. Tape des piou. Tu connaîtrais pas un aventurier très expérimenté pour m'emmener avec lui dans les donjons? Oui, moi. À ta place, je ferai attention. Il faut pas aller voir un strip, c'est beaucoup trop dangereux. Merci. T'es un débutant, pas vrai? T'es une grosse merde! Ah, en fait, faut lui faire une voix de fragile. En fait, t'aurais pas eu le camarade en trop? C'est pour pouvoir accéder à ma banque. Je suis l'Irimsa le plus riche d'Astrum, mais j'ai laissé tout mon argent dans le coffre à la banque, alors je peux plus accéder. Fallait y penser avant, connard. Je suis plus fort, je suis plus fort, je suis plus fort. C'est pas lui, c'est moi. Cette discussion n'a aucun sens. Je pense que le dieu Xelor a construit le pouvoir à ses disciples et les fait car sont l'araignée à tout Rokama. Ah, Makina, pardon. Même si personne n'ose leur dire en face. Je suis pas d'accord avec toi. Suis mon conseil, trouve-toi une panoplie de bouffe-tout et ne la quitte plus. Mais bien sûr. Au fait. Mais putain, mais ferme ta gueule! Tu sais ce que ça veut dire, Dofus? Moi, je me pose toujours la question. De plus, en plus de gens en parlent et certains disent qu'ils sont sous dans les clous. Continue de la poser. Tu connaîtrais pas d'aventure ultra expérimentée? Oui, moi. À ta place. Ferme-la, tu me saoules, casse-toi. Putain. Ah, une quête. Hey! La fin du monde est imminente. Les dieux sont en colère et nous avons réveillé les vestiges du passé. Nous sommes tous maudits. Pouf! Construire un abri, éviter l'explosion. Aide-moi ou tu périras. Accepter de l'aider. Ah, il faut une pelle en broussailles. Oui! Oh, une pelle, je suis sauvé. Creusez toujours plus sous terre, c'est la protection. Alors qu'est-ce qu'il veut? Je lui rapporte une pelle? Une pelle de broussailles. Où est-ce qu'on trouve ça? Chez les mineurs, non? Chez les nains? Les pelles, c'est chez les nains. Les pelles. Statue Inutrophe, non. Oh putain, regardez-moi ça.
Vendeur mineur. Acheter. Non, ça c'est pour acheter les mineurs. Il faut aller à l'atelier, je pense. Mais non, mais il va me vendre des pioches, il va pas me vendre des pelles. Où est-ce que je peux trouver des pelles? Alors j'ai très peu fait les quêtes dans Dofus en fait quand je jouais. Ce qui fait que du coup, ce qui fait que du coup, j'ai pas les réponses. Mais c'est bien justement parce que je l'ai fait tellement jamais que du coup c'est sympa de redécouvrir ce genre de truc. Moi je dis qu'ils sont braves dans ma famille, ouais super. Forgeron. Ah! C'est évident, les pelles ça s'achète chez les forgerons. C'est évident. Oui, parce qu'ils forgent des pelles. Oui. Oui, Ruby t'a abandonné. Oui, je sais, mais c'est pas grave. C'est normal. Si elle aime pas Dofus, ça va pas rester, tu vois. Je comprends. Je comprends. On la remplacera. Non, pas du tout, je suis là. Ah, on la remplacera pas. Dieudonné. Marteau. Non! Je veux une pelle achetée. Pelle. Ah! Ah, bah on voit que. On voit que les forgerons sont très efficaces dans le monde des 12. Très bien, donc je peux pas acheter de pelle. Enfin, j'ai l'impression que ce serveur est désert en fait. J'ai vraiment cette impression que ce serveur est complètement désert. Ce qu'on va faire. Ça coûte combien une potion de cité de Bonta? Bon, j'aurais pas assez de Kama en fait. Enfin, j'ai assez de Kama pour m'acheter une potion de cité. Mais après, j'aurais pas assez de Kama pour soit revenir, soit acheter la pelle. Donc ça a aucun sens. Donc ce qu'on va faire, c'est soit on trouve une autre quête. Est-ce que d'ailleurs je me. Est-ce que j'ai sauvegardé ce zap? Je crois même pas. Sauvegarder. Qu'elle serve? C'est écrit en haut. Eh oui! Yom Bandes, Kuchal. Si, Tayo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va. On va aller faire des combats. Ok. Pourquoi t'as pas été sur Enual? Je sais pas. Je sais pas, j'ai pris l'un des deux. Au hasard. Aveugle que je suis, pourtant j'ai cherché. C'est pas grave, t'inquiète pas. Au moins, tu as été gentil. Tu as pas demandé directement sans dire bonjour. Il y en a, ils arrivent, ils font. C'est quoi un serveur? Et toi, t'es en mode. Mais tu sais lire ou quoi? Sans rire. Il te faut qu'une pelle. Ouais, il me faut qu'une pelle, ouais. Ouais, taper du mob un peu, ça fait du bien. Sans rire, hier, ça me fait trop rire parce que j'avais mes rediffs qui sortaient de Dofus là. Et je rigole pas, il y a un mec. La vidéo, elle est sortie depuis 10 minutes. Je reçois un commentaire. Le mec, il fait. C'est quoi le serveur? Et genre, dans la vidéo, mais genre vraiment, dans la vidéo, je vous jure, vous irez voir le premier épisode, enfin l'épisode de je sais plus combien là. Genre, je dis, 2 secondes après, je dis, on est sur le serveur Eras, le serveur officiel. Je le dis genre 2 secondes une fois que la vidéo est lancée. C'est-à-dire que le mec, il a même pas pris le temps de regarder la vidéo. Il a vu une vidéo de Dofus, il a fait, c'est le serveur! C'est incroyable quand même. C'est incroyable, les gens, ils sont fous. C'est des malades, les gens. C'est vraiment des fous. Et ça m'a fait rire. C'est marqué sur l'overlay. Et en plus, je le dis au bout de 2 secondes de vidéo. T'sais. Incroyable. Incroyable. J'arrive à Strub. Ah, bah voilà. Voilà quelqu'un de gentil qui va venir m'aider. Si t'as du lin aussi, c'est parfait. Moi, je vais taper des trucs en attendant. Bah, tu vois où je suis, tu me rejoins. Allez, tu sais pas mordre. Ah lui, il va me toucher, non? Ah là là, la chatte. Donc là, c'est bien. Faut tout ce qui se paquette autour de moi, là. C'est parfait. Combien? Les fleurs de lin, il m'en faut... 4. C'est pas beaucoup. Pour faire ma quête. Mais c'est vrai que... En fait, les quêtes dans Dofus, c'est vraiment un truc que j'ai jamais fait. J'ai quasiment jamais fait les quêtes parce que j'ai fait tellement de persos qu'après, tu sais exactement où il faut aller XP et tout. Et du coup, tu fais pas les quêtes parce que ça pue. Et en fait, je me rends compte que je les connais pas du tout les quêtes. Et c'est pas mal, c'est un petit plaisir de faire les quêtes parce que je trouve que c'est assez marrant, surtout dans un MMORPG. C'est quand même intéressant de faire les quêtes. Hein, il faut pas dire, ça rajoute du background.
Donc c'est quand même assez assez bien. Alors, il faut que je regarde. Il faut que je regarde ce qu'il me faut comme. Je crois qu'il va me falloir la panoplie du. La panoplie du. La pelle, c'est une normale, petite ou grande. Non, c'est une pelle de boisaille. Donc c'est une pelle de merde. C'est une pelle de boisaille, c'est une pelle de merde. Ça, c'est un truc aussi, je me rappelle plus comment faire. Je crois que je sais plus si c'est possible ou pas d'annuler une quête. Mais je crois que c'est pas possible dans le jeu. Parce que ça, c'est des quêtes que j'ai lancées à Incarnam, mais que je ferai pas du coup. Ça va me prendre de la place pour rien. C'est assez insupportable. Tout ceci est assez insupportable. Donc voilà les quêtes. Donc on va faire des quêtes. Et la panoplie, il me faut, je crois qu'il me faut celle du de l'homme ours ou je sais pas quoi. Ou panoplie du. Je sais plus celle qui fait de l'agilité. Ah la tofu. Ou la paysan. Non la paysan ça fait de la chance je crois. Je sais plus. Je me rappelle plus. Il faut que je regarde ça. Parce que là ma panoboon ça va 2 minutes mais il va bien falloir qu'on la change un jour ou un autre quoi. Est-ce qu'il va sur de la perte de PA? Oh la puissance! Salut! Salut Gabs2712! Bienvenue à toi! Installe-toi confortablement. Oui, tofu. Ouais, la tofu, mais je crois que la tofu c'est au niveau plus de 20, non? Non, on est d'accord. C'est un peu plus vieux la tofu, non? Je sais plus. Après, tu pourras TOD plus cap de tofu. Ouais, bah, on n'y est pas encore, hein. Ça va, calme-toi. On n'est pas encore là-dessus. Là, pour l'instant, voilà. Pour l'instant, on se fait victimiser, là. Il va vraiment falloir que je monte ma santé parce que je vais tellement ramasser dans les premiers niveaux. C'est quoi tous ces PM qui se tapent, lui? 4 PM, lui, depuis quand? 4 jours. Si tu veux, il a un streamer, il donne panneau bouffe au donjon. Ouais, mais je m'en fous de la panneau bouffe, moi. Je suis agilité. Ah! Je savais pas que tu faisais Dofus Bibix. Bah écoute, Jérémy Sadi le bot, moi non plus. Je ne savais pas. Merci Gabs, bienvenue à toi dans la taverne. J'espère que ça va. J'espère que ça va. Non mais en fait, pourquoi je dis ça moi? Évidemment que ça va. J'ai toujours adoré l'animation de cette attaque. Genre, on a vraiment l'impression qu'il se décharge de tout, de tous les malheurs du monde. Il fait... Tiens! Ah mon Dieu! Bon, c'est vraiment. C'est beau. Ah, c'est beau. Je sais même pas qui c'est Bibix en fait. Si, je sais qui c'est, je crois. C'est pas un mec qui s'était fait swatter un jour. La police était venue le chercher chez lui. Aucune pelle de boisaille. Ouais, j'ai vu ça, ouais, qu'il y avait rien qui se vendait et tout. Mais même à Bonta, c'est la daube. Bon, écoute, c'est pas grave, je vais bien trouver une un jour. Non, mais c'est quand même dingue, quoi. C'est quand même fou. Merci, Jérémy Sadi. Bienvenue à toi dans la taverne également. Arrête de boire. Ta maman, elle m'a appelé tout à l'heure, elle m'a dit ça pas du tout. Il faut que t'arrêtes ces conneries. Donc, voilà. MDR, les mobs, ils te voient malgré que tu sois invisible. En fait, pas vraiment. Ça dépend, en fait. Il y en a qui détectent. Genre, les presspics, je sais qu'ils te voient, même si t'es invisible. Après, la plupart des mobs, en fait, ils savent pas vraiment. C'est juste, en fait, ils font au pif et ça marche. Mais du coup, voilà, c'est malheureux, mais ça arrive. Alors, voyons voir. Ok, on va se mettre là, bien là, pour le faire chier, l'autre. T'as un piège ici, là. Ah mince, c'était pas ici, c'était après. Bon, c'est pas grave. T'as déjà eu chat. T'as déjà eu chat. Kaamelott. Non, si tu parles, si tu me demandes si j'ai déjà eu le chat-chat, non, je n'ai absolument pas le niveau de faire. Oh! Il a tout son air comme les autres. Merci Nefou, du coup, à toi aussi. Merci beaucoup pour le follow et bienvenue. Donc, si tu parles du chacha, non, je n'ai pas le chacha parce que. C'est voilà. C'est après le donjon du bouffe-tout, j'y suis pas encore là. Salut Sinekai, welcome. Oh putain, il y a un aggro.
Oh putain, il y a une agro, les gens. Vite, allons voir ça. Oh non, ils ont enlevé. Oh, ils ont enlevé spectateur. Oh, regardez, c'est mon sauveur. C'est mon sauveur! Oh my god! Je me fais puel! Je me fais puel! Waouh! Oh my god! Non mais sérieux! Sérieux! Le mec s'en bat les couilles, il vient de me lâcher 100 000 kamas à la zob! Non mais putain! Attends, je peux pas rester, je vais lui donner une cape. Je te donne une cape. Non mais voilà. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait? Je me fais PL. Attendez, je vais lui donner une cape. Mais il est sérieux, il pète des câbles. Qu'est-ce qu'il fait? Merde. Ah putain. Ah j'en viens. Merci. Merci. Ah c'est Noël les amis. Non mais sérieux. Mais qui a pété un câble. Je lui ai demandé une petite poubelle de merde, il m'a filé un milliard de trucs. Oh putain, il faut pas falloir que je gâche tout ça là. Parchemin blanc. Je sais pas s'il faut. Là ça faut que j'utilise ou faut que je le garde. Ah mec, j'aime trop le jeu, c'est trop marrant. Bon alors attends, on va finir la quête. Ah, quel plaisir. Bon, eh ben, j'ai pas à m'en faire pour les stuff, hein. Je pense que je pourrais m'acheter des trucs tranquillou. Il était où l'autre du coup? Avec sa pelle là. Non mais sérieux, utilise tes pare-chauds. Ouais, je vais l'utiliser. Attention les gars, on fait un opening de parchemin, vous êtes prêts? C'était pas mal. C'était pas mal. C'était pas ouf, mais c'était bien. Donnez la pelle. Hé, hey, il me faut une pelle en bois. Oui, une pelle. Je suis sauvé. Creusez toujours plus. Ouais. La pelle, inefficace. Le sol trop dur. Pas creusé. Il me faut des planches. Deux planches de châtaignier. Mais sérieux. Faut que je ramène des planches en châtaignier, des pains, du pain. Non, mais papy, tu penses pas que t'abuses un peu de ma gentillesse là? Je sais pas si j'augmente mon invisibilité, mon poison ou mon double. Ça, c'est un peu la question à 10 000 euros. Mais je pense que je vais augmenter mon invisibilité. Quoique. Ah! Ah, réfléchissons à notre montage de sorts. Oui, c'est quoi le prochain sort intéressant? Ah, c'est pas tout de suite. Hein. Oh putain, c'est pas tout de suite du tout même. Oh bordel, c'est pas tout de suite. C'est ça le prochain. Ouais, bon, on a le temps. Hein. En fait, c'est le double. J'aimerais bien le monter. Parce que ça fait un putain de pet et ça, c'est vachement bien. Mais en même temps, est-ce bien le... Et le poison, est-ce que c'est vraiment OP de le monter ou est-ce que ça pue? Je vais monter le poison. Allez, on est fou, on monte le poison. Allez, on est comme ça chez nous. C'est Noël. C'est Noël, on monte le poison. Allez, c'est peut-être une grosse connerie, mais c'est pas grave, on le fait. Ah, bah en tout cas. Merci encore, hein. C'est intéressant, là, niveau argent, je suis pas mal. Là, ça va, je vais pas à me plaindre, là. Elle est où, elle? Merci beaucoup, mais... Les fleurs! Ouah, je voulais t'offrir un bouquet, ma maman. Je n'ose pas aller dans cette forêt, maintenant. S'il vous plaît, allez me chercher un bouquet de terre de fleurs de lin. Je ne retrouve plus ma maison. Mais putain, mais t'as Alzheimer ou quoi? Tout ce que je me rappelle, c'est que ma mère m'emmène souvent au parc du village, qui est très proche de là où j'habite. L'accompagner à sa maison. What the fuck? Oh putain! Le parc du village, il est où? Le parc. Peut-être quoi faire pour commencer? Ah bah oui, un peu, ouais.
putain, pleurnicheuse a oublié où se trouve sa maison, terrorisée, elle n'ose plus s'aventurer seule en ville. Du coup... du coup, attendez, il est où le parc à Astrub? C'est ça le parc d'Astrub? Du coup, pleurnicheuse décide de demander à des inconnus de la ramener chez elle. Non mais j'hallucine quoi. Ça va sinon, la sécurité là, elle peut pas demander à un garde de l'accompagner chez elle? J'ai jamais vu ça quoi. La meuf elle sait plus où elle habite mais elle me demande à moi. Elle est où sa maison hein, cette connasse? Bon ça c'est le parc. Enfin, j'imagine que c'est le parc de... d'Astrub ça. Du coup la maison c'est quoi? Maison de guilde. Bon bah non du coup. Elle est où ta maison connasse? Ma mère se marie souvent au parc du village qui est très proche de ma maison. Petite maison abandonnée d'Astrub. Ah ouais, c'est pas vraiment ça alors. T'intéresse à m'en partie viteuf, même si je pense que t'auras la flemme de tout s'installer comme Jeff pour le stream. Ah ouais, carrément, ouais. Désolé, hein, mais... Puis m'en partie, ça a jamais été trop mon truc. J'aime bien, mais... Tu passes niveau 13. Ah bah, ah bah, je crois que j'ai trouvé sa maison. Bon, bah, les gens... Vous voyez, les quêtes, c'est quand même bien. Les quêtes, c'est quand même pas mal. Ok, alors attendez, on va remettre nos sorts bien. On va mettre double à la place de ça, et on va mettre ça ici... Voilà. Les 4 c'est la vie quand même. C'est qui lui encore? Qu'est-ce qu'il veut? Ah ça me PL encore c'est ça? Ah du lait. Mais non. Mais arrêtez putain vous faites quoi là? J'ai oublié ça. Ah bah oui c'était... Ah c'était... Ah c'était essentiel. Bois ton lait. Alors buvons le lait. Je peux pas le boire putain. Santé. Je peux pas boire le lait. Mais c'est voilà je peux pas boire le lait mais je le bois quand même. Ah c'est trop bien. Bon bah voilà pleurnicheuse elle est là du coup. Merci beaucoup, mais ça m'a la vie. Ouais, super. YouTube, merci à vous d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. C'était intéressant. Allez, je te laisse. Merci, du coup, mon bon Samaritain. Nefou. Merci beaucoup. Et voilà. Merci YouTube d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. On s'est bien amusé. On s'est fait PL comme un gros porc. Et voilà. N'oubliez pas, les enfants, le PL, c'est mal. Ne faites pas ça chez vous. C'est dangereux. N'acceptez pas de l'argent d'inconnu. Moi ça va parce qu'après je vais le sucer donc c'est pas grave. Mais vous, vous le faites pas, c'est pas bien, d'accord? Donc restez en sécurité et on se retrouve après pour la suite de l'épisode. Au revoir YouTube, c'était un plaisir de vous divertir.